En fin de championnat de France, eh bien nous aurons les 6 meilleurs et parmi elles, Élodie Lussac, dont on attend beaucoup au sol féminin. Frédéric Lemoine au bar parallèle. Concurrent sérieux. Entrée originale. Un seul temps dessous, coupé quart. Il s'établit jusqu'à l'équilibre, en force. Grand tour autour du bras. Deuxième grand tour autour du bras, appelé le Eli. Une progression en tenant coupé quart. Un demi-tour à l'équilibre. Et double quarté pour finir. Voilà, on revoit le ralenti sur la sortie, double quarté, bien exécuté. Voilà, pas de faute dans cet exercice pour Frédéric. Peut-être contenu encore un petit peu faible pour prétendre à une très grosse note. Voilà ici la progression. Le coupé écart, on voit tout le travail des barres, la souplesse ici. Ah, ça demande une maîtrise totale. Le mouvement n'est pas tellement long en barre parallèle, contrairement au sol ou à la barre fixe. Mais il faut soutenir en permanence cet exercice. Et on est toujours à l'abri d'un déséquilibre. C'est le cas souvent sur un bras. Il y a une main qui est moins précise que l'autre. Voilà, disons que parmi les agrès qui inquiètent le plus les gymnastes, ce sont les agrès d'appui, dont la barre parallèle fait partie avec les arçons.